Le résultat du référendum de dimanche en Turquie pourrait donner lieu au plus important tournant politique du pays depuis la fondation de la République turque en 1923. Le président Recep Tayyip Erdogan affirme qu'une réforme est nécessaire. Et s'il a décidé de soumettre ses propositions à la population, c'est parce que le Parlement a rejeté ses 18 amendements à la Constitution. Voici les projets d'amendements les plus controversés, ceux qui renforceraient ses prérogatives. Disparition du poste de Premier ministre en faveur de la création d'un poste de vice-président. Le président deviendrait le chef du gouvernement et de l'État et ne serait plus obligé de couper les liens avec son parti politique. Il pourrait promulguer des lois par décret en outrepassant le Parlement. Un Parlement qui se voit doté de pouvoirs limités, notamment pour enquêter sur le chef de l'État ou le réfuter. Les partisans de la campagne du non ont été pratiquement privés de couverture médiatique, du moins dans les médias publics, en raison du contrôle du gouvernement qui n'admet pas la critique. Dans tous les cas, selon certains analystes, si le oui l'emporte, Erdogan aura plus de pouvoir. Si le non l'emporte, rien ne changera. Un non au référendum ne modifiera pas grandement la situation dans les circonstances actuelles. C'est-à-dire qu'on peut confortablement supposer que le président continuera à diriger le pays comme il le fait actuellement depuis qu'il a été élu président. Le référendum a lieu dans un contexte d'attentat à la bombe orchestré par les djihadistes d'État islamique et les militants kurdes, et moins d'un an après la tentative de coup d'État. Depuis l'été dernier, Erdogan a déclaré l'état d'urgence et mené une purge dans les rangs de la police, de la justice, de l'armée, dans l'éducation, les médias. Plus de 134 000 personnes ont été licenciées, plus de 48 500 arrêtées. Pour Erdogan, ce référendum se résume à faire un choix simple entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre lui. Selon lui, les opposants au changement constitutionnel défendent les coups d'État, les coalitions, les crises et les périodes de chaos, dit-il. Beaucoup prédisent une étroite victoire du oui au référendum, et donc pour Erdogan, qui a toujours eu une énorme popularité. Il n'a jamais perdu une élection depuis celle qu'il avait placée au poste de Premier ministre en 2002. Erdogan disait cette semaine que les Turcs vivant à l'étranger avaient voté en masse. Les sondeurs estiment que cela pourrait lui être bénéfique.